là, c'est pour nous venir calmer la tension qui gagne au niveau diaspora par rapport à une rumeur de gagner pour payer une taxe de 186 $ le y a pas dans l'aéroport. Faut commencer pour dire nous-mêmes dans le gouvernement nous pas au courant de 186 $ américains. Nous pas qui côté le sorti, nous pas de qui taxe ça y est. 186 $ nous pas au courant de lui. Deuxième bagage moi voulais porter à précision pas gain aucun compatriote, aucun haïtien cap vini rentrer dans l'aéroport pour payer 186 $ américains. Et ou pas gagné tout pour payer 186 $ américains dans aucun consulat ou ambassade dans pays côtoyen pour demander service. Ça veut dire m'ta remet que ça clair dans tête nous gouvernement pas gagné aucun taxe de 186 $ que l'a réclamé haïtien. Deuxième bagage qui est important, moi je nous connais que si ou c'est un citoyen haïtien ou quel que soit monde qui besoin demander un service public dans pays d'Haïti, ça veut dire sous besoin des douanes machines, sous besoin et vendre caille, sous besoin acheter quel que soit bah, besoin acheter de transactions qui impliquent l'État, ou ap gagner pour payer une taxe forfaitaire de 10 000 gourdes. Ça veut dire ça, son bagay qui clair, c'est à partir de DGI, là, ou pas gagner un impôt de une déclaration définitive d'impôt qui pour le barou doit au moins un bail de forfaitaire de 10 000 gourdes. L'autre point que j'ai besoin de préciser, c'est que président Jovenel Moïse avec Premier ministre Jacques, tout gouvernement Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, au contraire, nous voulons protéger la diaspora contre les racketeurs qui, leur monde rivé besoin de faire une activité qui nécessite implication service l'État pour racketeur à taxo selon bon gré pal. Ça veut dire là, nous connaissons, nous avons une loi, un règlement, un barème minimum qui protège nous. Ça veut dire racketeur. Jean, président Jovenel Moïse, dit là, cherchons l'autre job parce que le gouvernement il pas dans raquette. Nous parlons d'impôt forfaitaire, mais le principe de base là, c'est que tout le monde doit faire déclaration définitive de revenus des gros majeurs. Ceci même si vous n'avez pas de revenus. Même si déclaration définitive d'impôt sur le revenu, il est marqué néant. D'accord, ou pas gagner ou payer. On y a un bagage que nous-mêmes l'État nous vient observer, c'est que gagner une série de monde qui sous territoire qui d'accord fait des transactions qui génératrices de revenus, à importer machine, à acheter caille, vendre caille, acheter terrain et puis l'homme des monde dans côte est-ce qu'on travaille non pas travail. Donc, nous voyons que gagnent une série de monde qui échappaient à impôt. Et gagnent des monde qui travaillent sur le territoire au-delà de 6 mois. Mais comme ils payent directement à l'extérieur, ils n'ont pas payé rien ici. Donc, c'est comme si ils n'avaient pas de revenus sur le territoire. Alors qu'en fait, ils travaillent plus de 6 mois sur le territoire. Donc, qui ça me dit, dorénavant, au moins pour nous capter une partie de revenus, ça. Nous dit dans l'État, nous avons fait un impôt forfaitaire qui, en fait, sont avance sous déclaration définitive d'impôt sur revenu lié. Ça veut dire qui ça? Si on moune, ou importe une machine, ou fin fait ça, mais si on vient importer deux conteneurs, par exemple, deux conteneurs, et matériel électronique, il est difficile pour nous pas un revenu, impôt forfaitaire insuffisant. Donc là, ça, à partir de nouveaux preuves que moun nan gen revenu, n'a taxé le bureau. Donc, ça veut dire qui ça? Au minimum, si nous connaissons un moun, li besoin font transaction qui montre que, évidemment, moun nan gen revenu, parce que sous pral de doua non machine. Ou gon machine, faut qu'on gen kop pou met gaz à dan. Faut qu'on gen kop pou si l'en panne pou le réparer. Donc, le qu'on y a, ou paret,
ou vini ou utiliser service l'État et pour dire non, pas gain revenu, mais pendant ce temps, on vient de droit nos machines $15,000. Donc, automatiquement, tout le monde qui n'a pas gagné déclaration définitive d'impôt sur revenu, moi dis encore, déclaration définitive d'impôt sur revenu, hein, c'est une obligation. Quand on y a, sous pas gagné déclaration définitive d'impôt, ou vin fait une transaction, encore une fois, quand j'ai un collègue là, te dit, là, sous territoire, en Haïti même, ou vin fait une transaction, ou pas gagné déclaration définitive, là, naturellement, l'État dit, sous qu'a fait transaction ça, c'est parce qu'on a un revenu. Donc, comme pas qu'on a un revenu qu'on a gagné, taxe ou un impôt forfaitaire que nous fixons à 10 000 gouttes. Donc, quand j'ai un collègue là, dit là, nous pas compte $186 à côté de soi, même le changer 10 000 gouttes en dollars, il va pas compte $186. Donc, pas compte côté $186 à soi. Nous avons déjà réalisé et distribué le calendrier scolaire pour l'année 2017-2018. Nous connaissons, pour gagner une bonne année scolaire, il faut que le calendrier soit disponible et disposé et à temps et à l'heure. Et heureusement, cette année, nous avons eu l'opportunité pour nous faire le calendrier soit disposé et disponible pour la population en général et pour tout le monde qui est concerné par question éducation. En dedans calendrier ça, nous profiter dit et toute bagaille clé la donne pour que tout point yo respecté yon après l'autre. Qu'on gagne deux problèmes qui liés à question ça. Lorsque responsable yo pas répond à yo, c'est parce que yo pas respecté calendrier. Nous même nous mettez le disposé disponible pour yo tout yon façon que l'en prend des décisions ou des mesures appropriées pour tout capable de dire oui, effectivement, le calendrier est disponible. Et quand il y a des problèmes au niveau de ça nous carrément prise de décision de fin d'année, quand il y a des problèmes sur ça, les listes de formation de classe, eh bien, nous croyons que l'année ça a, nous fait disposer disponible pour tout le monde qui connaît, mais qui leur pour préparer la liste de formation de classe, pour remettre, et mais qui leur décision que vous pouvez prendre en IA pour remettre. Et calendrier, il y a tout détail. Deuxième point qui t'a intéressé nous, et nous travaillons pour lui énormément pour que c'était une réussite qui ait un impact aussi sur la rentrée scolaire, là, c'était frais de contribution scolaire. Nous connaissons ça comme un problème lorsque chaque école, chaque institution, décider selon créo by prix pour parents européens. Il y a des fois au cours de l'année où tendez l'argent pour question examen et bien année ça ministère de l'éducation nationale les prend des décisions appropriées et c'est comme ça qu'il y a un circulaire qui sortit et nous tout penser nous elle ou bien nous connaît le ministère de l'éducation nationale rappelé à l'intention du public en général et de la communication éducative en particulier qu'il a été décidé de fixer à 1 000 euros les frais scolaires dans les écoles publiques, notamment pour le troisième cycle et le secondaire. Donc, nous disons que c'est 1 000 euros que par an, il va payer. Et ce montant doit servir à couvrir un paquet de services, pour couvrir les services à eux, comprenant les frais de nettoyage, et pour l'école, la confection des pliants, l'achat de feuilles pour les périodes d'évaluation prévues dans le calendrier scolaire. Donc, aucun responsable de l'établissement, il n'y a pas de droit de réclamer aucun autre frais. Et tout le monde qui a fait ça, eh bien, il a passé sous sanction ministère de l'Éducation nationale.